Hey, salut, ça va ou quoi? J'ai cassé l'œuf comme une mèche, ça m'est jamais arrivé de faire ça comme ça. Ah, chat. Je pense qu'il veut partir. Tu veux quoi? Ok, tu veux que tu lui fais tout le truc là. C'est le Beagle X. Eh, vous voulez voir un truc? Ça, c'est le Beagle X. Hey, salut, ça va ou quoi? Bienvenue à vous dans ce stream. Le micro il est au-dessus, c'est pour ça qu'on dit ça ouais, comme ça. Ouais, c'est pour ça qu'on dit ça comme ça. En plus, ça fait trop chaud d'avoir un micro ici. Mais ça marche trop bien, ouais, ça fait c'est trop plaisir. Et attendez, Salut Adric. Elle vient d'où cette ref? Je veux que vous. S'il y a quelqu'un qui sait d'où vient cette ref, les gars. Franchement, il y a forcément moyen quelqu'un qui ait au moins la ref de mon t-shirt. C'est obligé. Statistiquement parlant, c'est obligé. Chef ambulant. GG. GG5. Maintenant, il nous faut le nom du petit personnage, si vous l'avez. Donc bonjour à vous en tout cas, aujourd'hui on s'apprête à faire un petit tiramisu des familles. Je sais pas du tout combien de temps ça va prendre parce que il y a marqué normalement qu'on met 15 minutes à préparer la recette. Si je me trompe pas, hein, je crois que c'est ça, il y a marqué temps 15 minutes. Je vous préviens d'avance, on prendra pas 15 minutes, on prendra beaucoup plus de temps. Donc voilà, il y a plusieurs caméras déjà de 1, donc directement regardez, petite canne de BG là, je vais me tromper le bouton, tu vas voir ça comment ça. Oh, attention, on sait pas du tout si c'est celle-là, mon gars. Non, je pense que ça va être la. Mais si c'est celle-là, let's go, les gars. Let's go, let's go. La deuxième canne, mec. Donc voilà, petite canne secondaire sympathique, c'est mec. Petite canne secondaire sympathique, les potes. Loulou 154-31, machin. J'espère que tu. Oh, salut Astral. Comment tu vas, Morgane? Wesh, la cuisine, c'est ton élément, hein. C'est. Vous savez, cuisine et tout ça. Et du quoi? Morgane sur le stream, mais qu'elle va nous juger. Mais non, non, t'inquiète, mec, je suis sûr que tu vas. Mec, je me vois en gros. Ah, petite moto. Intéressant. Donc, les gars, on va commencer par les ingrédients. Oui, attends, je voulais dire une phrase avant que tu m'interrompes. Oui, le tiramisu, c'est un plat qui se fait normalement. Bon, du coup, la préparation, là, ils disent que ça prend 15 minutes. Mais après, il faut le laisser, genre, au frigo pendant 24 heures, ils disent au maximum. Et 3 heures au minimum. Donc moi ce que je propose c'est qu'en vrai le tiramisu là on le fait, après tout à l'heure on le mettra au frigo quand on aura fini la prépa. Ce soir on mange. Bon mec, on va commencer par première étape, il va me dire les ingrédients et je vais aller chercher dans une cuisine qui n'est pas la mienne d'ailleurs aussi je précise, je suis pas chez moi, je suis chez Alix. Et du coup en fait c'est pas chez moi donc je connais pas où sont les trucs et tout donc je vais aussi découvrir la cuisine avec vous. Alors tu vas me chercher des boudoirs. Putain, tu les avais à portée de main, mec, t'es grave chaud. Je suis trop chaud, quoi, elle est bizarre. Attends, les gars, je vais chercher du mascarpone, là, dépêche-toi. Ok, mascarpone. Dépêche-toi, mascarpone. Dans le frigo, il est super stylé, mais vous pouvez pas le voir, mais il est super grand. Là, bon, on a pris 500 grammes, parce qu'on a pris 500 grammes. Mais en vrai, alors... on va diviser par deux toutes les données de la recette, je pense. Parce que c'est pour 6, mais nous, on va faire pour 3. Vous avez capté. Parce que nous, on est intelligents. Tu prends les œufs qu'il y a dans le frigo, t'en prends deux. Il va me saouler ce frigo. Mais bon, le frigo. Oh, mec, ouais, attends, t'as bougé le frigo, mec. C'est des boudoirs, les biscuits, c'est des boudoirs, on m'a appris ça l'autre jour sur le serveur Discord, on était en voc à 4h du matin, il y a un mec qui est venu qui s'appelle Légende, dédicace à lui, je sais pas qui c'est sur les streams, et il nous a dit ouais ça s'appelle des boudoirs. J'avoue on était en voc à 4h, on parlait avec tout le monde, et là il y a un mec qui vient, il parle et tout, il fait mais c'est pas des biscuits cuillères, c'est des boudoirs. Exactement. Il nous faut 3 tasses à café mec. C'est là-bas le café gros. Hein. Il est où? Ah non il est là, bah c'est déjà là-dedans. Attends, c'est marrant, on dirait qu'on l'avait préparé à l'avance. Ça c'est marrant ça, c'est préparé là, mon sens. Mais non, t'inquiète Mino. Ouais allez hein, c'est quoi la suite? 2 cuillères à soupe de marsala. C'est quoi le marsala mec? Non mais faut que tu lis la suite. 2 cuillères à soupe de marsala ou de rhum ou d'amaretto. C'est de l'actuel. Attends le rhum c'est là mec je crois. Mais elle avait dit que c'était dans le... Alors... S'il en trouve c'est énorme parce que moi on m'a dit que c'était dans le frigo tout à l'heure mais t'es caté. Ouais. Non mais après je dis ça déjà. C'est ça? Rhum blanc. C'est bon, c'est ça. Du rhum. Juste... On est des gros alcoolos évidemment. Bon ça surtout à consommer avec modération les gars, c'est du rhum. On va éviter de finir avec des alcooliques sur les bras après. Mec c'est où le sucre de canne? C'est du sucre? Je sais qu'on a du sucre mais je sais. Attends mais mec, je sais là où sont tes trucs alors que toi tu ne le sais pas. Mais oui, bah explique-moi où c'est. Dis-moi où c'est chez moi. J'avoue, attends mais c'est des... Ah, le cadrage est nul à chier là. T'es un bouffon. Comment je pouvais savoir? Bah, en plus, mec, ça c'est hyper stylé. Cacao non sucré, c'est dans ton sac? Bah, on en a ici, non? Ouais, aussi. J'imagine, non? Tu sais où c'est?
C'est du cacao, ça c'est du cacao. C'est de la vanille, mec. Ah, c'est de la vanille, mec. Ah, mais non, mais j'ai pas envie de prendre ça, ma mère, elle a ça, mais c'est dégueulasse. Ça. Bon, les gars, je vais chercher mon truc de cacao, sinon je pense qu'on a juste qu'à pour la nuit là qu'il trouve. Il vient de recevoir un message de ses parents sur son téléphone. Il disait que il détestait ce qu'il faisait sur Twitch et qu'il était renié. Du coup, je sais pas ce qu'il va faire après pour rentrer chez lui, ça c'est. Je sais pas comment il va faire. Je sais pas. Qui est le meilleur modo? Je pense que le meilleur modo c'est Big Leaks. Je sais pas qui c'est, attends. Je crois que je vais l'appeler pour qu'il envoie un message. Bon, j'ai pas trouvé. J'ai pas vraiment l'avis. C'est vrai? Par contre, j'ai retrouvé le bouchon. Oh putain, le bouchon de truc. J'ai retrouvé le bouchon de bouteille. T'as vraiment pas trouvé? Non, mais en vrai, t'inquiète parce que le cacao c'est. À la fin? C'est pour saupoudrer à la fin, donc t'inquiète. Bon, par contre, j'ai vraiment perdu mon pot de cacao sans sucre que j'ai amené. Je sais pas où il est, bah écoute. Je sais pas où il est. La recette, du coup on fait quoi? On commence par quoi? Préparer un café serré à l'italienne. Puis versez-le dans une assiette creuse. Faut préparer une tasse à... C'est quoi la différence entre une tasse à café serré à l'italienne et une tasse à café normale? On s'en bat les couilles, on fait une tasse à café normale. Oui, oui, bah de toute façon, mais non, mais de toute façon, on a regardé, normalement, le nombre de cafés qu'il y a à la tasse, ça suffit là. Oui, let's go les gars. Tu fais tomber une goutte, mec. Tu fais tomber une goutte. Merde. De café. Let's go, c'est le Pierre, comment vas-tu? Il est chaud? Non. Ouais, bon. C'est marqué chaud ou pas? C'est rien marqué. Attends, si, c'est chaud, on est d'accord. Ah merde. Ouais, café chaud, on est d'accord, ouais, c'est bon, tu vois, c'est... Vas-y, mec, je vais tout mettre et je vais tout faire... Les gars, l'instinct du cuisinier, c'est bon, ok? On s'en fout que ce soit chaud ou pas, c'est la même chose. Bon, on s'en bat les couilles, hein. Vas-y, on fait chauffer, parce que nous, on a plus de style en faisant chauffer le truc. Oh non, attends, ça rentre à quoi, là-dedans? Bon, finalement, on fera pas chauffer. Elle dit quoi, Morgane? Elle a dit café chaud, et après elle a dit les deux, on s'en fout, mais c'est quand même meilleur chaud. Peut-être à ma mère qu'on va faire chaud, alors. Bah, c'est la casserole... Ouais, non, attends, tu passes la casserole dans... Non, non, c'est bon. Ça passe pas la casserole, connard. Oui, non, mais même une casserole dans le micro-ondes, t'es un peu fou, toi, non? Oh, t'inquiète, mec. Une fois, j'ai mis un couteau dans un grille-pain, moi. Quoi? Non, c'est pas vrai. T'inquiète. Fait chaud, mais pas trop. Oh, merde. Déjà, faut faire trois fois la tasse de merde, là. Ouais. Attends, tu veux faire chaud? Mais pourquoi on prend pas trois tasses, alors qu'il est chauffé? Bah, c'est ce qu'on va faire, t'inquiète. Bah ouais, non, parce que le mec, si à chaque fois il remplit la tasse et qu'il la remet au micro-ondes, qu'il la ressort, qu'il la remplit, qu'il la remet au micro-ondes... Tiens, sors la tasse. Trois fois d'affilée, ça va être long, quand même. Sors la tasse. Ouais, je sors la tasse. Là, t'es trop dans la rigolade, mec. Moi, je suis en full tryhard, là. Ouais, je suis en full tryhard. Comment ça, vous avez calculé trois tasses, là? C'est quoi vos calculs de merde? Ça fait quasiment trois tasses. Les calculs ne sont pas bons, là, messieurs. Tout à l'heure, il a calculé pour faire trois tasses. À la louche, j'ai dû faire à la louche. C'est quoi, c'est ça? Ouais. Je sais pas si vous allez voir, mais wesh, regardez la gueule du truc, genre. Si t'en fais tomber, fais gaffe, hein. Attends, mais regarde, hop. Y a que dalle là-dedans. Ça c'est rempli pour lui, hein. Bah, ça va, quoi. C'est, ouais. Ah non, ça va pas, oui. Non, c'est pas rempli, mais c'est presque trop tasse, c'est pas grave. De toute façon, deux tasses et demie ou trois, c'est bon, c'est la même chose. Après, okay, faudra faire monter les blancs en neige. Et là, les gars, on peut sortir... Déjà, faut séparer les blancs et les jaunes. Ouais, mais ça, t'as dit, tu sais les faire. Comme un pro. Moi aussi, oui, je sais faire d'ailleurs, mais y'a pas de problème. Alors, du coup, attends, d'ailleurs, faut 4 jaunes 2 bio, enfin 2 jaunes 2 bio, pardon. Allez, bon, les blancs. Du coup, ouais, je disais, là, c'est là qu'on sort la machine magique que je n'ai pas chez moi. Je sais pas s'ils voient là. Oui, ils voient. J'attends de voir ton magnifique talent d'œuf, quoi. J'ai trop peur de tout foirer. Non, t'inquiète. Sans vanne. Je reviens tout à l'heure. Pas de soucis, PowerPoint. Et sors la tasse, s'il te plaît. Bah, la tasse, c'est ça. Mec, j'ai trop peur. T'as qu'à tes tasses, c'est bon. Mec, on est d'accord qu'ils sont pétés là, ils sont nuls à chier, c'est vrai. Tu veux caler Mec, c'est de la mort, c'est mort. Quoi, c'est j'ai mort? Cassé l'œuf comme une merde. Ça m'est jamais arrivé de faire ça comme ça, gros. La vie de merde, ça m'est jamais arrivé de me gourer comme ça. Hein. Ok, bah vas-y, mec, je fais le deuxième alors. Attends, vas-y, fais-le si tu veux. Alors, les gars, professionnel de père en fils. Voilà. Ils sont durs ces œufs quand même. Hein. Voilà. Le professionnel et le nul. De ouf. Monter les blancs en neige. Ah oui, ok. Tu mets ça là-dedans et tu fais partir la machine. Attends, on a mis deux, on est d'accord? Oui, c'est ça qu'il faut mettre. C'est ça? Ok, ok. C'est deux, nice. Ouais. Bienvenue à ce qui arrive. Tiens, d'ailleurs, on a oublié de mettre ça dans l'assiette creuse. J'y pense. Bah, vas-y, mets-le dans l'assiette creuse. Hein.
Mais mec, Allez, gros, ah là 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 là, mais quel enfer. En fait, on a bien fait de faire une petite dose comme ça à la fin, parce que sinon, je crois que ça passe pas. Hein. Tu penses qu'on a perdu combien, là? Une tasse? Avec le petit contenant. Attends. Est-ce qu'on voit, là? Oui, on voit un peu. Ah oui, on voit. On a très clairement vu. Non, mais est-ce qu'on voit la grosse flaque de merde, là? Oh, t'en as mis partout. Oh, putain, quel enfer. On a plus de pas. Sérieux? Oui. Regardez le petit bout. C'est un petit bout comme chez lui. Bon, on va devoir faire avec une feuille le reste. Bah, c'est tout ça, là. Pourquoi on a besoin de ce pain, mec? Je sais pas, parce que... Je sais pas, ouais, peut-être pour nettoyer ça, en vrai, c'est pas une bête idée, hein. Attends, mais t'as mis des cookies? Bon, on s'en bat les couilles, pire, on mourra. Mets ça... Il y a aucune cookie. Qu'est-ce que tu me racontes? Déjà, tu changes la cam, déjà. Y'a pas une manip à faire, avant? Puis on s'en bat les couilles, tu mets ça là-dedans, puis voilà. Non, mais mec, après, comment on fait pour le sortir? T'as raison. C'est bon, c'est comme ça. C'est bon. Ok. Tu mets tout là-dedans. T'en fais d'abord faire les dents. Ouais. C'est bon? C'est bon, Mino, c'est bon. Après avoir réuni les ingrédients, failli faire tomber le frigo de chez Alix, avoir failli mettre une casserole dans le four micro-ondes, avoir cassé des œufs et avoir renversé du café en dehors de l'assiette. Réussiront-ils cette mission tiramisu? Ou échoueront-ils lamentablement? Réponse au prochain épisode!